Alors bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2019. J'espère que vous allez réussir vos projets, que la santé ça va aller nickel, et puis tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Alors, de mon côté, pour l'année 2019, il y a des choses qui vont s'améliorer sur la chaîne YouTube. Hein. Petite progression, on va dire. On va se baser toujours sur une vidéo par mois. Une vidéo qui va concerner une sortie photo, un animal ou un projet quelconque. Et à côté de ça, il y aura d'autres petites vidéos qui vont être hors série, disons. Des petites vidéos où je vais présenter un nouveau matériel acheté, où je vais présenter un animal par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc c'est en train de se tramer dans ma tête. J'ai des idées qui viennent et puis je vais essayer de mettre ça en place. Autre chose, donc à partir du mois de janvier, donc il est en train de se ploder au moment où je vous parle, j'ai un site internet qui va être lancé. Ce site va regrouper mes photos. Pourquoi je le fais? Pour donner un peu plus de visibilité à mon travail, parce que tout le monde n'a pas Facebook. Et puis les autres plateformes, 50px, 500px, pardon, ou quelle que soit l'autre plateforme, Instagram par exemple, j'ai un petit peu de mal à m'y mettre. Donc j'ai créé mon site qui va regrouper mes plus belles photos. Et puis ça va regrouper aussi mes vidéos, certaines, qui vont être accompagnées d'un article qui va être en complément de la vidéo. Donc à chaque fois que j'aurai fait une vidéo, s'il y a un article, je vous le marquerai en dessous, vous aurez le lien dans la description, ainsi de suite. Autre chose, j'ai pris la décision de lancer un Tipeee pour les gens qui veulent essayer de me soutenir un petit peu financièrement. Parce que faire les vidéos sur YouTube en essayant de progresser tout le temps, ça demande énormément de temps. Et souvent de fois des moyens financiers, et j'aimerais au fur et à mesure d'éviter de trop taper dans le budget familial pour mes vidéos et mes photos. Donc ceux qui veulent m'aider, il y a un Tipeee qui a été lancé. Donc avec ce Tipeee, vous aurez accès à un groupe Facebook fermé. Il n'y a que ceux qui sont tipeurs qui pourront accéder au groupe. Dans ce groupe, vous pourrez partager vos photos, vos impressions, vos doutes. Si vous avez une question ou autre, posez-la, on y répondra. Je souhaite créer un groupe plutôt familial que bien structuré. C'est-à-dire que je demande aux gens qui viennent sur le groupe d'avoir du bon sens. C'est-à-dire qu'on peut faire une critique sur une photo, mais il faut que ça soit objectif. Faut pas dire ah ben cette photo elle est nulle, qu'est-ce que tu viens faire là, t'as rien à faire ici. Ça, c'est niet d'office, ça sera ban direct. Par contre, quelqu'un qui dit, bah, tu vois, ta photo, elle est pas mal, mais tu aurais pu t'allonger ou tourne plus autour de ton sujet, quelque chose de constructif. Voilà. Vous pourrez aussi participer à un concours mensuel, hein, avec un thème prédéfini, avec un sondage et tout. Je vais mettre ça en place. Alors, ça sera peut-être pas fait dès le mois de janvier. On va attendre que quelques tipeurs arrivent, hein, et on va commencer à faire ça tous ensemble. C'est un groupe qui va être animé par les membres du groupe, pas forcément que par moi. C'est-à-dire que même quand je suis pas là, si je pars une semaine en vacances, le groupe y vit quand même. Vous discutez entre vous, voilà. On est une petite famille, pardon. Et autre chose, donc j'ai mis des tips à 1 euro, 3 euros et 5 euros pour des tips mensuels. Et après, vous pouvez faire des dons ponctuels une fois, vous donnez 5 euros et puis voilà, ça vous donne quand même accès au groupe, il n'y a aucun souci. Par rapport à ceux qui font des tips mensuels, hein, si vous décidez de donner 5 euros, puis vous apercevez que ben, finalement ça fait un peu de trop pour votre budget, vous pouvez tout à fait baisser votre tip ou l'annuler un certain temps. Ça ne va pas vous exclure du groupe. J'estime que du moment que vous avez donné une fois, pour moi vous êtes un tipeur, donc vous rentrez dans le groupe. Donc le lien du groupe est dedans, ça va être sous validation, vous acceptez, ben, vous connaissez sans doute le principe d'un groupe fermé, c'est moi qui valide et ainsi de suite. Si toutefois le nom que vous utilisez sur Facebook et le nom que vous allez utiliser sur Tipeee n'est pas le même, hein, c'est gentil de me le signaler pour éviter les confusions et que j'accepte une personne qui n'a rien à faire là et que une personne qui a payé ne soit pas acceptée. Et dernière chose, hein, pour ceux qui ont éventuellement l'envie de donner 5 euros par mois, je vous propose à cela de venir partager une sortie avec moi.
Une fois par an, je pars en général soit à la montagne, soit dans une autre région. Par exemple, j'avais envie d'aller dans les gorges du Verdon, dans la baie de Somme, quelques jours. Alors c'est toujours par contre en bivouac. Je ne sors jamais à l'hôtel. C'est toujours en bivouac. Je dors sur place. Je suis en autonomie totale, presque. Il me manque quelques éléments. Donc ce groupe Facebook, il aura aussi l'intérêt, c'est de pouvoir rassembler la communauté qui le souhaite, et on pourra s'organiser des sorties entre nous. Donc vous décidez de, au mois d'avril, de faire visiter votre région, votre coin. Vous proposez un événement, ceux qui peuvent venir y s'inscrivent, on voit les modalités, on organise tout ça ensemble, il n'y a pas de problème. Et on vient un week-end passer un petit moment entre nous. Donc c'est assez ce groupe tipeur, il est assez copié-collé sur celui de Sylvain Lepoutre, dont je fais partie. Je suis tipeur de mon petit réflexe depuis un peu plus d'un an maintenant. Et Sylvain a réussi par ce système-là à créer vraiment une bonne ambiance dans son groupe, une bonne famille, il y a un bon noyau et il y a pas mal d'électrons qui viennent se mettre autour. Et franchement, tout le monde a un petit peu sa vision de la photo et c'est respecté. C'est ça qui est important, c'est de respecter les autres. Les photos qui vont être acceptées sur ce groupe, bien sûr, il faudra qu'ils concernent un minimum la nature. Que ça soit un chien, un chat, pour moi, c'est de la nature, il n'y a pas de problème. Les portraitistes, je crois pas qu'il y en a beaucoup qui me suivent, mais pourquoi pas être accepté. J'estime que l'être humain fait partie de la nature. Ça peut être ouvert. Va être surtout accepté ben, les photographes naturalistes, animaliers, ceux qui font du paysage, ceux qui font de la macro. Ça va être le gros noyau du groupe. Et autour, bien sûr, s'il y a une portraitiste ou un portraitiste qui est sur ma chaîne, qui veut me soutenir, qui aime bien ce que je fais, qui veut participer au groupe, il est bienvenu, il n'y a pas de problème. J'estime que ça doit être libre. La nature, elle est partout. Nous autres êtres humains, on fait partie de la nature, donc pourquoi pas avoir un portraitiste dedans. Pas forcément les gens numériques, ceux qui font de l'argentique et qui ont un système de scanner pour mettre leurs photos sont les bienvenus. Voilà, je veux un groupe qui soit ouvert à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent. Sur ce, moi j'ai continué ma petite balade, je vais aller faire des petites photos macro. Je sais pas ce que ça a donné, il n'y a pas beaucoup de lumière ce matin. On va voir, on va essayer de faire quelque chose. Et puis, je vous laisse avec tous les liens en description de ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Alors, il y a peut-être des pour et des contre. Moi, je le fais pour moi. Et pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos et surtout m'améliorer, pouvoir éventuellement aller plus loin, aller avec un autre matériel, ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie en tout cas de me suivre. On est bientôt 1300 sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça avance à une vitesse que je n'avais pas prévue. Mais c'est très bien comme ça. Alors je vous remercie. À plus tard.